La défense du PSG m'inquiète en Ligue des Champions. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la défense du PSG. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, depuis le début de la saison, on voit comment Luis Enrique, franchement, il fait beaucoup du turnover, notamment défensivement. Il change avec Marquinhos, tantôt il met Danilo, tantôt il met Skriniar, tantôt il met Lucas Hernandez à l'arc, etc. On voit que défensivement, ça permet beaucoup. Défensivement, c'est en train de se chercher. Moi, je pense qu'il y a des joueurs qui ne correspondent pas au système de Luis Enrique. Je pense notamment à Skriniar. Skriniar, on l'a encore vu face à Lens. Il est lent, il est lourd, il n'est pas assez rapide. Donc, avec un bloc qui joue haut, il n'y en a pas sa place pour moi au PSG. C'est un mec qui est à l'aise dans une défense qui joue très basse. Lorsqu'il s'agit de presser haut, de jouer très haut, Skriniar, pour moi, ça devient compliqué pour lui. Donc, pour moi, Luis Enrique doit repartir sur les bases, notamment Marquinhos et Lucas Hernandez à l'arc. Partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Ce sont déjà très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.